Come on. Jean-Jacques ? Salut Mishka ? Ouais. Bon, bah dommage. Bah, l'idée directrice, c'est comme ce qu'on avait expliqué l'année dernière, c'est toujours pareil, de l'improvisation. À part que l'année dernière, on était deux, et que cette année, on est 10. L'idée, c'est de concevoir et de réaliser. Des fois, c'est tellement fulgurant que... Attention, ça tombe, accroche-le ! Waouh ! C'est censé être des chaises, donc déjà si vous voyez que c'est des chaises. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça va partir de palettes. Alors la palette, voilà, l'intérêt c'est vraiment de faire avec le bout de planche qu'on a. Si ça se trouve, elles auraient eu une tête complètement différente si on en avait eu des plus grandes palettes. Du coup, on se surprend soi-même. Alors on va dire que si on avait fait ça en architecture classique, on aurait imaginé la chaise, dessiné la chaise, et ensuite on aurait dit il me faut une planche de 10 cm avec deux planches de 125. Là on la coupe directement. Comment? Les plantes
qui ont été mis en culture par la maison de retraite et l'école primaire. Donc on avait Muriel, qui est de l'association de la Pourterre, avait organisé, animé le petit atelier jardinage plantage de plantes grimpantes. Voilà. Et donc, mais malheureusement, elles n'ont pas poussé trop haut, parce que ce qu'on voulait faire, c'était les détacher de leur tuteur et qu'elles grimpent sur nos structures. Non. Voilà, mais ça n'a pas pu se faire. Mais on est très heureux que les gens aient participé et donc nous aient fait pousser ces quelques fleurs. Vous êtes en plein reportage, les filles ? Ouais. Super, faites très bien. Hein. On a le soleil qui est là, il y a de jolies filles, de beaux garçons, et finalement ça se passe bien. Pour le moment, on tient la route, voilà. Pour le premier jour, ça se passe bien. C'est dans toute la préparation, là. On prépare tout, voilà. Mais ça va le faire, je le sens. Je le sens, ça va le faire. Je suis très contente que ce soit le premier jour de festival et je dis que la fête soit. Début, parce que c'est le début du festival de jazz, tout simplement. Tous là, on débarque, on a un atelier Tony Allen ce soir. Je propose au plus hardi de tester les structures. On peut escalader, mais attention, il faut tester toujours un petit peu chaque branche. Ben, je viens de passer quelques jours à Luz-Saint-Sauveur, une belle ville, de jolis hameaux, et je pense qu'il va faire bon pour le reste de la semaine. Et voilà. Voilà. C'est dit, monsieur. Septième. Bon, Lionel, quel est ton mot du jour ? Grève. Le mot du jour, c'est je crois que t'as une casquette qui est bien trop grande pour toi. Le festival de jazz de Luz vive et vive bien. Et qu'il continue. Voilà. Ça vous dérange si on interroge votre chien ? Ah, vous pouvez y aller, mais elle est chaude. Ah, d'accord. Bon, la forme Legends pour le week-end et faites pas trop les cons, ok? C'est le vieux JC qui vous parle. Ciao! En plus, dans notre vallée, c'est très bien. On les accueille tous les ans et on est très contents. On les apprécie beaucoup. Voilà. Le bruit ne vous dérange pas? Du tout. 18e édition sous le soleil avec Tony Allen, qu'on attend tous avec impatience, Cannibal et Vainé. Et tous les amis qui participent à l'organisation et qui nous aident fortement pour que ça puisse se mettre en place. Donc voilà, je suis content, ça va démarrer enfin. Pour la manger après. Vive le festival.